Stéphanie Larchancher. Vous êtes aujourd'hui la chef de file de cette discipline dont nous avons parlé, dont vous allez nous présenter, qui est la psychiatrie transculturelle et qui part, entre autres, de cette articulation entre les disciplines qui sont la psychiatrie et l'anthropologie. Peut-être que pour commencer, vous pouvez nous en dire quelques mots, nous dire quelques mots sur votre parcours et ce qui vous a amené de formation initiale pédopsychiatre à aller vers cette discipline de la psychiatrie transculturelle. Volontiers. Alors, donc effectivement, je suis médecin, donc j'ai fait des études de médecine et des études de philosophie. Spontanément comme ça, puisque c'était un peu mes passions adolescentes, mais en tous les cas, cette première expérience de faire deux choses, d'entrer dans un certain nombre de phénomènes par deux manières différentes, par exemple la vie, la mort, les grandes questions de la médecine, mais de la philosophie également, m'avait quand même déjà donné l'idée que de la complexité. Et qui parfois il valait mieux pouvoir utiliser deux méthodes à la fois pour comprendre des choses complexes. Donc ça, c'était en tout cas ma première expérience. Donc ensuite, j'ai voulu les réunir. Je suis devenue pédopsychiatre. Mais immédiatement, quand j'ai commencé mes études de psychiatrie, d'abord, j'ai été révoltée par la manière dont on s'occupait des migrants. Ça, c'était affectif, mais ça a été important. Et j'ai cherché comment pouvoir mieux s'en occuper. Et je croyais d'ailleurs inventer quelque chose quand j'ai découvert ce qui, à l'époque, s'appelait l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire, c'était donc à cette période, c'était plutôt la première génération de ceux qui s'en occupaient. Et c'était pour moi, j'ai rencontré donc Toby Nathan qui développait la méthode de Devreux, la méthode complémentariste. Et du coup, avant même d'apprendre ça, j'ai été contrainte, je me suis dit qu'il fallait que je puisse m'initier au moins à l'anthropologie. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avoir des formations, soit à l'EHESS, soit à Nanterre, en anthropologie là-bas, pour s'initier aux questions de parenté, de famille, de rituels, des choses vraiment importantes que l'on ne peut pas appréhender, à mon sens, uniquement lorsqu'on rentre avec la question clinique. Donc je me suis initiée, entre guillemets, parce que c'est une discipline, bien sûr, très complexe, mais à l'anthropologie médicale comme ça. Et ensuite, je me suis formée à l'ethnopsychiatrie, mais que rapidement, et sous l'influence aussi des Canadiens, j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on appelle ça la psychiatrie transculturelle pour dire justement l'importance, et dans la classification de Devreux aussi, de dire l'importance à la fois de ce qui différencie les êtres, mais ce qui les réunit, et dans cette dialectique complémentariste. Donc, psychiatrie transculturelle, complémentariste, donc avec l'utilisation obligatoire, mais non simultanée, de l'anthropologie lorsqu'il s'agit de comprendre la dimension collective, et de la clinique, pour moi plutôt la psychanalyse, mais dans les équipes qui travaillent autour de moi, il y en a qui sont plus systémiques, il y en a qui sont plus hypnose, peu importe en réalité, la clinique doit avoir un axe théorique fort, et je crois que moi que la psychanalyse a été particulièrement féconde dans sa capacité à justement s'installer dans une position complémentariste, par exemple avec l'anthropologie ou avec la linguistique ou avec l'histoire, par exemple, mais encore une fois, la clinique, elle doit utiliser aussi ses propres outils en fonction aussi des positions dans lesquelles elle se trouve. Donc, utilisation obligatoire et non simultanée de ces deux disciplines. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où pour appréhender un processus qui est un processus clinique, mais qui est partagé parfois par plusieurs personnes, par une famille ou un groupe, on va pouvoir l'éclairer. Le processus, il est unique, mais c'est l'éclairage, bien sûr, qui est multiple. Et donc, cet éclairage anthropologique qui doit quand même
et c'est la même chose pour la clinique, qui doit savoir à la fois ce qu'il est capable de faire, mais c'est aussi ses limites. C'est-à-dire, l'anthropologie, c'est du collectif. La clinique, c'est de l'individuel. Et moi, je, dans ce sens-là, je suis extrêmement attachée à la méthode complémentariste de ne pas confondre les niveaux et de décider d'une certaine façon quel corpus on va utiliser en fonction du niveau auquel on se situe. Donc, phénomène collectif ou dimension collective, dimension intrapsychique, consciente et inconsciente, pour l'intime, et puis, entre les deux, dimension intersubjective, hein, puisque bien sûr, les processus, ils ne s'arrêtent pas non plus à de l'intrapsychique pur, entre guillemets, et du collectif pur, il y a un certain nombre d'interactions, et l'intersubjectif, et en particulier un de ces endroits où ça circule, mais les trois niveaux, finalement, on se retrouve avec deux méthodes, ou parfois plus d'ailleurs, mais deux éclairages méthodologiques différents, mais on va se retrouver quand même avec trois niveaux, hein, puisque le collectif, l'intrapsychique et l'intersubjectif. Alors, Marie-Rose, un des points de départ de la psychiatrie transculturelle et je dirais le concept fort du travail de Georges Devreux dans son traité d'ethnopsychiatrie, c'est le contre-transfert culturel. Déjà, pourriez-vous nous le définir et deuxièmement, peut-être nous dire quelle serait la différence entre le contre-transfert du psychiatre et celui de l'anthropologue sur le terrain? Alors oui, alors et dans la clinique. Oui, après le complémentarisme, c'est le contre-transfert culturel. Ça, c'est vraiment très clair que la révolution, entre guillemets, c'est comme ça qu'il l'appelle Devreux dans l'introduction de l'angoisse à la méthode. La révolution, c'est celle du contre-transfert culturel. Alors pourquoi ? Effectivement, Freud, et là aussi c'était une révolution d'une certaine façon, il a inventé la notion de transfert. Le patient transfère sur son psychanalyste, à cette période c'était réservé à cette situation-là, un certain nombre d'éléments conscients et inconscients, il le met dans une certaine place, et tout ça fonctionne dans l'établissement du lien entre le patient et son psychanalyste. Qu'en est-il du contre-transfert ? Alors là, chez Freud, le contre-transfert, que depuis on appelle affectif pour parler de ce contre-transfert qui se résume à la relation entre le patient et son psychanalyste, le contre-transfert pour Freud c'était quasiment une réaction, une simple réaction à ce qui était transféré sur lui. Le patient transfère quelque chose, il me met dans une place maternelle par exemple, et moi je réagis à cela. Je réagis tout simplement de manière presque mécanique à ce qui se passe, affective mais mécanique au sens de systématique. Alors Devreux dit, c'est là où il y a une révolution, non, le contre-transfert, d'abord, si c'est quelque chose de très important, ça ne peut pas être limité à cette relation, certes importante, mais expérimentale entre le psychanalyste et son patient. C'est forcément, et donc là, lui, il considère que c'est dans chaque fois qu'il y a des échanges. Chaque fois qu'il y a des échanges entre nous, et les trois grandes catégories d'échanges, bien sûr, il peut y en avoir d'autres, c'est la clinique, bien sûr, mais pas seulement la psychanalyse. On peut avoir un transfert et un contre-transfert dans n'importe quelle situation clinique, même lorsqu'on se rencontre en urgence pour la première fois, par exemple. Donc, toute situation clinique, paradigme de rencontre, mais voilà. Là, toute situation pédagogique, j'apprends quelque chose, ou je fais un cours, ou j'explique quelque chose, eh bien, je suis dans une relation d'échange avec la personne avec qui je parle, et là, il y a pareil, lui me met dans une position, mais moi, je ressens quelque chose, j'envoie quelque chose, et dans ma manière d'enseigner, il y a ce contre-transfert également. Bon, relation pédagogique et ça c'est vraiment très intéressant, situation de recherche également, c'est-à-dire quand je choisis non seulement un objet de recherche, je choisis comme objet de recherche
les thérapies mère-bébé en situation transculturelle. C'est mon premier sujet de thèse. Il y a bien sûr un contre-transfert. Il y a bien sûr un contre-transfert de chercheurs. Pourquoi j'ai choisi cet objet, consciemment et inconsciemment? Pourquoi j'ai choisi telle méthode également? C'est-à-dire que le contre-transfert du chercheur, ce n'est pas simplement son choix de contenu, mais aussi sa manière de le traiter, qualitative, quantitative, anthropologique, plutôt statistique, etc., plutôt clinique. Donc du coup, il a ouvert, libéré le contre-transfert de Vreux, et il a montré que dans toutes ces situations d'échange, nous avons des réactions explicites et implicites face à ces objets et dans leur dimension collective, c'est-à-dire j'ai des appartenances, moi qui suis le chercheur, l'enseignant, le professeur, etc. J'ai un corps, j'ai des affiliations, j'ai des appartenances, j'ai une voix, j'ai une histoire collective, individuelle, familiale. Et puis celui qui est en face de moi, lui aussi, c'est un être de chair et de sang. Et je réagis à ces différences, c'est-à-dire que comme lui, il a des affiliations comme moi, qui ne sont peut-être pas les mêmes, eh bien je vais réagir à cela, et je, consciemment et inconsciemment, individuellement et collectivement, puisque je représente tous ceux qui ont les mêmes affiliations que moi, d'une certaine façon, et je réagis non seulement à ces affiliations et à ces positionnements, mais je réagis aussi à l'altérité. Et j'ai une réaction par rapport à ça, et c'est ça le contre-transfert culturel, c'est cette réaction collective, mais que je m'approprie et qui repasse par ce que le patient vit. Et ce contre-transfert culturel, pour de Vreux, et ça me semble encore très juste, ça va de la fascination pour cette différence au rejet, qui est le racisme, qui est la discrimination. Et entre les deux, il y a l'élaboration d'un contre-transfert qui est nécessaire. Nous avons, même si nous sommes anthropologues, même si nous sommes psy, nous avons des différences vis-à-vis de cette altérité. Imagine que les anthropologues, c'est peu étudié, même si j'ai vu quelques belles études, que les anthropologues sur le terrain, ils ont des contre-transferts culturels face de fascination ou de rejet, conscient ou inconscient. Et encore une fois, ces réactions, elles sont... il y a toute la gamme et elles sont explicites et implicites, et parfois même inconscientes, puisqu'il peut y avoir des fantasmes. C'est très important parce que ça nous permet d'accéder à cette altérité, ça nous permet d'avoir des... En recherche, je trouve ça aussi extrêmement important, bien sûr, de se dire que même par rapport à mon objet de recherche, par rapport à mes choix, je vais pouvoir... analyser cette dimension-là pour aller plus loin et pour qu'au fond la rencontre, quelles que soient ces situations, ait lieu. Marie-Rose Moreau, merci d'avoir accepté pour ces numéros que nous organisons avec Stéphanie Larchanché, mais aussi au nom des étudiants, c'est-à-dire du public auquel ces numéros se dessinent, que c'est majoritairement des anthropologues, mais aussi des thérapeutes, des personnes qui s'intéressent plus particulièrement au rapport migration et santé, migration de santé mentale, voire migration et maladie. Souffrance. Et donc, un grand merci. Merci à vous. De nous consacrer ces temps-là qu'on sait précieux. Merci. J'aurais quelques questions parce que, à la fois des questions pour lesquelles, bien évidemment, je n'ai pas des réponses, mais aussi des questions qu'on partage. On a eu l'occasion de discuter un peu avec Stéphanie, mais nous savons aussi que l'objectif, nous tenons à partager questions et réponses avec les lecteurs, avec nos collègues, les stagiaires du Centre Mikolska et aussi de l'université. La première question serait peut-être un peu provocative, parce que la réponse elle est déjà implicite, mais à votre avis, où anthropologie et psychiatrie s'y rencontrent aujourd'hui? Alors, bon, est-ce que la question est provocante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question qui traverse presque quasiment le XXe siècle.
Et ça reste pour moi quand même une énigme de savoir pourquoi cette question, elle est si idéologique. C'est-à-dire que, voilà, nous avons des méthodes, nous avons d'abord épistémologiquement la nécessité, pour un certain nombre de situations, vous l'avez dit, de migration, mais aussi lorsque les thérapeutes ou les anthropologues d'ailleurs se retrouvent sur des terrains, des choses qui vont se passer, donc c'est nous à ce moment-là qui sommes en migrants, et on rencontre des gens de langue, de culture, de positions extrêmement variées, passionnantes, et la question transculturelle se pose. Elle se pose pour chaque fois qu'on est dans une rencontre avec des gens, et encore, ce n'est pas que la langue, mais déjà la question de la langue ou les représentations, les affiliations différentes. Donc, on se dit, et d'ailleurs depuis quasiment que la philosophie s'est séparée, que la clinique s'est séparée de la philosophie, et que l'anthropologie aussi s'est séparée de la philosophie, et qu'il y a eu des moments de rencontre, on se dit, mais comment... pourquoi il y a eu tant de difficultés à articuler dans ces situations transculturelles des corpus différents. Et donc, sachant que, par exemple, la psychanalyse, qui est un des champs de la clinique, quand la psychanalyse a été créée, Freud, dès le début, il s'est posé la question, est-ce que l'Oedipe, que j'ai inventé dans ma petite tête, dans un contexte donné, il s'est posé la question tout de suite. Est-ce que l'Oedipe est universel? Dès le début. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette question? Encore aujourd'hui, il y a des débats sur la question de l'Oedipe. De l'Oedipe qui a été, tel que Freud l'a décrit, qui a été imaginé au début du XXe siècle, ce fameux complexe d'Oedipe. Donc, la question de l'articulation entre un processus humain et son contexte, et l'articulation entre les deux, c'est une grande question. Il y a plusieurs types de méthodes qui ont été développées. J'ai développé, moi, tout à l'heure, la méthode dans laquelle qui m'a permis de faire pour moi ce travail, qui est la méthode complémentariste. Il y en a d'autres. Il y a d'autres méthodes qui ont essayé d'articuler anthropologie et psychiatrie. Pour certaines, par exemple, des méthodes soit comparatives, soit des méthodes qui au fond considèrent que tout ça c'est le même matériel et qui interprètent de la même façon du matériel collectif que du matériel individuel. Bon, là, mais ce qui reste, me semble-t-il, problématique, c'est que c'est la question de l'universel. Qu'est-ce qui est universel? Est-ce qu'on a accès directement à l'universel? Est-ce que le contexte modifie les processus? Donc là, il reste des questions. Moi, je trouve qu'on a beaucoup avancé quand même ces derniers temps, si on regarde. Et on a beaucoup avancé pour une raison, me semble-t-il, d'ailleurs assez intéressante, c'est que des chercheurs, des cliniciens, des anthropologues nés dans des pays en Afrique, en Asie, formés parfois ici en partie en France ou en Angleterre ou aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe, et qui sont repartis et qui, d'une certaine façon, en faisant ce type de voyage eux-mêmes, ont apporté, parce qu'ils étaient structurés, qu'ils connaissaient très bien un certain nombre de contextes différents, ont amené des éléments de l'intérieur de ces contextes, et plus dans une position qu'il faut bien appeler coloniale, puisque si c'est moi qui, en tant que Française ou Espagnole, dis comment il faut interpréter tel élément d'un contexte matrilinéaire, forcément, je ne suis pas dans l'universel, c'est d'une évidence évidente. Bon, j'aurais une deuxième question qui, bien évidemment, rejoint la réponse en particulier de la première, qui c'est concernant la psychiatrie transculturelle. Car en parlant de psychiatrie transculturelle, on pourrait se demander, et je voudrais bien vous entendre à ce sujet, s'il y a-t-il des psychiatries qui ne soient pas culturelles ou qui ne soient pas transculturelles? Alors, ça c'est une question intéressante. D'ailleurs, les réponses peuvent varier en fonction des pays. Non,
il n'existe pas de psychiatrie qui ne soit pas culturelle. Ça, là, je crois qu'on serait tous d'accord, il n'existe pas de psychiatrie qui universelle, et donc toute psychiatrie est culturelle. Et d'ailleurs, on remarque qu'aujourd'hui au Canada, par exemple, le dernier grand traité qui est sorti de psychiatrie transculturelle, qui a été fait par l'école de McGill, s'appelle psychiatrie culturelle. Donc, et à juste titre, puisque toute psychiatrie est culturelle. Dans la classification de De Vreux, pour lui, il y avait de la psychiatrie intraculturelle, donc culturelle mais intraculturelle, dans un contexte donné, par exemple le contexte occidental. Il y avait une psychiatrie interculturelle, psychiatrie interculturelle ou clinique interculturelle, qui suppose que les deux protagonistes connaissent parfaitement la culture l'un de l'autre, et en particulier que le clinicien connaisse parfaitement la culture des personnes avec qui il travaille, et qu'à ce moment-là, on puisse faire de l'inter, parce qu'il y a une connaissance parfaite des deux, symétrique, ce qui, à ma connaissance, est impossible. Donc du coup, pour moi, l'interculturel me semble quelque chose qui ne dit pas ce qu'elle fait, parce que interculturel, c'est excessif au sens de jamais on peut avoir une connaissance comme ça. Et puis il y avait la transculturelle, qui est celle dans laquelle que la terminologie que moi j'ai repris, transculturelle, elle avait le mérite à la fois de dire qu'il y a des différences dans les affiliations, mais qu'on peut se rencontrer. Et transculturelle, ça fait aussi allusion, si j'ose dire, à la question des migrations, et parce que la clinique transculturelle, elle est beaucoup liée quand même à la question des migrations. Donc personnellement, je suis encore attachée à la notion de transculturelle, mais en reconnaissant que toute psychiatrie est culturelle, et que donc, même en intraculturelle, il faut tenir compte de ces questions de représentation collective et la manière dont ça va coder nos catégories, nos manières d'être ensemble et bien sûr nos manières de faire. Oui, c'est intéressant de voir que les projets d'une appréhension, soi-disant de la culture de l'autre, de façon symétrique et arrangeante, c'est un projet très ambitieux. C'est intéressant de vous voir. C'est un projet théorique en réalité. Projet qui est avant tout théorique, ouais, parce que c'est ignorer même les différences, l'hétérogénéité intra. Ah non, ça de toute façon, c'est comme ça, oui, ça j'aurais dû le dire en préambule, c'est que de toute façon, il y a une hétérogénéité, et puis surtout une hétérogénéité, mais surtout un mouvement, enfin quelque chose qui se transforme constamment. C'est pour ça que je pense qu'interculturel au sens strict, mais on peut remarquer par exemple qu'en psychologie, on parle d'interculturel, et là, ça se comprend un peu mieux d'ailleurs, lorsqu'on parle d'aller étudier des modalités, par exemple modalités de faire avec les enfants, modalités de les bercer dans plein d'endroits différents. Et là, on va très loin dans la connaissance d'une manière de faire, de représentation, peu importe qu'elle soit hétérogène, mais dans un petit groupe donné. Et à ce moment-là, on peut parler d'interculturel sur cette question. Bon. Mais l'hétérogénéité, ça, c'est quelque chose qui appartient... c'est par définition, la culture, c'est pas un objet statique, et ça peut-être d'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'éléments idéologiques, peut-être que dans ces éléments idéologiques il y a ça aussi, cette notion comme si la culture était quelque chose qui est donné, qui bougeait pas, qui serait enfermé. Du coup, non, bien sûr, on est dans des processus et avec des métissages, des empreintes, des mondialisations, des échanges, et il n'en reste pas moins que tout ça, ce sont nos affiliations. Mais c'est là encore, on trouve un axe de continuité dans cette discussion, parce que lorsque vous parlez de l'aspect idéologique, ça rejoint à une troisième question, j'espère ne pas trop fatiguer avec des questions, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de certains cadres, la question idéologique, elle se présente c'est-à-dire, à partir du moment qu'on peut s'interroger dans quelle mesure la culture, là, avec toutes les précautions que ça peut entraîner, dans quelle mesure la culture de l'autre peut entraîner une signification, disons, psychopathologique, par exemple. Oh, alors ça... Alors moi, là-dessus, je suis extrêmement prudente. D'abord, je pense que c'est
c'est enfin, les personnes, elles ont des affiliations culturelles, sociales, familiales, donc déjà c'est extrêmement mouvant. Franchement, je suis incapable de dire, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, au niveau collectif en s'appuyant sur les études, bien sûr, faites, que je connais, moi, je ne les connais pas toutes, et au niveau individuel sur les études plus cliniques que nous faisons, mais que d'autres équipes font, de dire que tel élément qui appartiendrait à la culture de l'autre, ou telle affiliation, serait un élément psychopathologique. Ça, moi, je crois que, d'abord, je n'y crois pas, en termes de croyance, et deuxièmement, je pense qu'on est incapable de dire ça. Par contre, ce qu'on peut être capable de dire, c'est que telle affiliation ou telle modalité culturelle de tel endroit va mettre l'accent sur quelque chose que nous on ne fait pas de la même façon. Quelque chose qui est collectif à un endroit et qui est peut-être uniquement individuel à l'autre. Un exemple, nous avons actuellement énormément de familles tamoules qui viennent du Sri Lanka, parfois de l'Inde, mais beaucoup du Sri Lanka, la guerre, il y a eu énormément de familles, d'individus d'ailleurs, qui ont dû partir, donc c'est à la fois c'est très violent et c'est pas tout à fait terminé. Donc ces familles, elles sont arrivées et on a vu apparaître quelque chose sur lequel on n'avait ça s'était posé à nous, les familles migrantes tamoules. Alors moi, j'ai l'impression de manière extrêmement, à une grande majorité, en tout cas c'est très fréquent dans les familles que nous voyons, avec lesquelles nous travaillons, et pas seulement cliniquement. On travaille aussi beaucoup sur les questions de langage avec les familles tamoules. Donc pas forcément des familles uniquement dans lesquelles il y a des souffrances. La question par exemple du rituel de la puberté chez les jeunes filles. Donc qu'on soit là-bas, qu'on soit ici, lorsque les jeunes filles ont leurs premières règles, elles font l'expérience de ce rituel des premières règles, qui est un rituel à la fois extrêmement festif, hein, puisqu'il y a toute une fête avec plein de gens. Pour y être allée parfois, ça me donne toujours l'impression d'un mariage, hein, d'un mariage pour nous, donc vraiment plein de fêtes, plein d'alliances, et puis à la fois, c'est une expérience pour la jeune fille, c'est quelque chose que nous on considère comme très intime, d'avoir ses premières règles, et là ça devient pour les jeunes filles à la fois quelque chose d'intime, de lien avec la famille, Et puis cette dimension festive, presque publique, oui, en tous les cas collective. Et bien moi je trouve que ça, ça vient nous questionner. Et ça, par exemple, entre privé, public, à qui appartient les règles de cette jeune fille, à qui appartient son corps. Donc il y a bien là quelque chose qui vient nous questionner et qui questionne en particulier les enfants qui le vivent, parce qu'eux, ils connaissent les deux modèles. Donc, mais en aucun cas, il s'agit de psychopathologie dans un sens ou dans l'autre. Mais il s'agit bien, par contre, de quelque chose genre de l'altérité. Et je ne vous dis pas ce que ça fait vivre aux professionnels. Un enfant placé l'autre jour, sa maman dit, écoutez, moi, le jour des premières règles, il faut que ma fille, elle vienne à la maison. Et c'est pas possible, elle peut pas, on peut pas la laisser comme ça dans une solitude. La maman qui est très malade, c'est pour ça que l'enfant est placé, mais la jeune fille est placée. La mère a exigé que cette petite vienne à la maison. Et l'équipe disait, mais non, on ne comprend pas. En aucun cas, les premières règles, c'est un motif d'aller devant le juge et de lui demander, ou devant la responsable administrative, et de lui demander que c'est... Et voilà, il y avait un malentendu incroyable et une souffrance de la mère, une perplexité de la jeune fille. Et comment ça s'est fini? La jeune fille a fugué le jour de ses premières règles, parce que les adultes autour, n'ont pas compris, et en particulier les professionnels n'ont pas compris qu'il y avait là quelque chose
qui en tous les cas, pour la jeune fille comme pour sa mère, c'était « je suis la fille de quoi ». C'est des affiliations, mais pas seulement des affiliations, c'est aussi une reconnaissance mutuelle. Et la petite a dû fuguer, c'est dommage, enfin, c'est cool. Mais la question, c'est la question du contre-transfert culturel des équipes, quoi. Il fallait le temps que les équipes puissent comprendre l'importance de ce qui est en train de se jouer pour cette petite fille et sa mère. Merci. C'est-à-dire, la question précédente, l'idée de... qui je prenais par les biais de... je posais, pardon, par les biais de l'idéologique, au sens de certaines idéologies, je pense que vous m'avez compris, qui auraient éventuellement tendance à pathologiser c'est ce qui vient de ce qui est de l'ordre soi-disant de culturel, en tout cas c'est ce qui appartient à la culture de l'autre. Or, quand on voit les cadres les cadres géopolitiques que nous connaissons assez pathogènes avec les publics, les patients que nous avons au quotidien dans les centres Mikolska et dans d'autres endroits, CNP, dans les cadres, tout ce que nous connaissons concernant l'immigration, montre ô combien les conflits, une situation économique et politique mondiale, présente dans différents continents, sont pathogènes à différents titres. Et aussi les incidences que cela peut avoir sur la psychiatrie et les pratiques et conditions de soins. Comment vous voyez ça aujourd'hui? C'est-à-dire, comparé à il y a quelques années, je ne suis pas dans les quantitatifs, plutôt dans une appréhension qualitative de ces processus, mais qu'est-ce qui a changé à votre avis en termes de pratique du soin, en termes de conditions du soin aussi, de ceux qui sont victimes, au prime abord, de ces cas de géopolitique assez pathologisants, si on peut dire, ou en tout cas, qui portent beaucoup d'incidence sur la santé mentale, sur, qui suscitent des traumatismes et tout ce que nous connaissons dans le quotidien dans les espaces de soins. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour vous? Ça relève plutôt de quantitatif, ça relève de changements des cas thérapeutiques ou la diversité des cas cliniques. Comment voyez-vous la situation directement liée au cadre géopolitique? Alors, là aussi, moi, je crois que sur la question j'imagine que vous faites allusion aussi à la situation géopolitique, mais c'est aussi les conditions d'accueil des migrants. Les conditions, parce qu'il y a la question de la mondialisation, de tout ce qui se passe autour, sur le plan mondial. Et puis après, il y a les conditions des migrants, les conditions d'accueil, qui, on le sait, sont très importantes aussi pour... et ça, je crois qu'on en est sûr maintenant, les études le montrent bien, que les conditions d'accueil, soit elles vont réparer un peu, apaiser aussi les douleurs de l'exil, des guerres et tout ça, soit au contraire, si elles sont mauvaises, ces conditions, si on est inhospitalier, d'une manière générale, elles vont venir créer, là, c'est là où ça crée de la souffrance. Ça crée en tous les cas des organisations, des doutes et des impasses très importantes. Et puis réellement, dans la réalité, des familles ou des individus qui sont dans des stratégies de survie, de survie à tous les niveaux, hein, économique, social, mais également psychique. Parce qu'ils perçoivent bien qu'ils sont pas, ils étaient en difficulté à un endroit et ils le restent dans l'endroit où ils se sont sauvés, quoi. C'est là où il y a, pour moi, le vrai problème, c'est cette inhospitalité, cette régression aussi de l'accueil et
Et oui, ça a des conséquences sur les familles, les mêmes les conditions aussi de ne pas avoir de droits ou de, d'être rejeté, d'être stigmatisé, d'être discriminé. Donc tout ça, c'est la dimension aussi politique de la clinique transculturelle, de la psychiatrie transculturelle, qui souvent témoigne, s'engage, parle, s'associe aussi avec d'autres équipes dans d'autres contextes pour dire que, pour dire qu'effectivement ces conditions, elles ont des effets négatifs sur ceux qui arrivent, mais sur leurs enfants aussi. Et sur ceux qui descendent, enfin sur leurs descendants, sur les générations qui viennent, parce que c'est à la fois l'accueil et les conditions ensuite de vie de ces migrants, quels qu'ils soient, dans les pays dits d'accueil, où finalement la discrimination continue, où par exemple, moi je suis très sensible à, parce que je m'occupe beaucoup des deuxièmes générations, et on a beaucoup de travaux là-dessus et beaucoup de dispositifs qui s'occupent, entre on s'occupe de tous les migrants, mais on s'occupe aussi par choix beaucoup des deuxièmes générations dans nos consultations, aussi bien ici à Solène qu'à à Paris, donc à Bobigny, à Vicennes. Et dans ces deuxièmes générations, on voit que les conditions dans lesquelles la manière dont on se représente ces deuxièmes générations, mais même d'ailleurs parfois ensuite, la manière dont on les met, et on sait qu'il y a des populations à l'intérieur de ces migrants plus particulièrement discriminées que d'autres, hein, par exemple les garçons qui appartiennent au monde considéré comme musulman, hein, donc c'est assez large, études récentes, je pense à Théos par exemple, il y a eu beaucoup d'études qui l'ont montré, et donc oui, ça continue et ça fait du mal, y compris à la deuxième génération, et donc là on a une nécessité de transformer justement ces facteurs de risque, de ces conditions de vie, de ces situations transculturelles, en quelque chose qui soit une reconnaissance de ce mouvement, de ces possibilités, de ce que moi j'appelle la créativité des enfants aussi et des familles, et pour effectivement non seulement réparer, mais non seulement consoler, mais que se créent des nouvelles formes de vie et de métissage dans les lieux où on circule, puisque toutes les sociétés sont des... Enfin, quasiment, à mon connaissance, mais encore plus l'Europe, en tous les cas, des sociétés ouvertes, où le Moyen-Orient, il y a énormément de migrants, où il y a des mouvements et des rencontres entre des gens qui viennent d'univers différents. Une dernière question. Je ne sais pas si c'est une vraie question, mais plutôt un commentaire. Et en vous lisant, enfin, en lisant vos travaux, et en ayant eu l'occasion de voir vos présentations, votre colloque, dans des activités à la fois cliniques, éléments de clinique, mais aussi de l'universitaire, etc., vous m'avez toujours donné l'impression de quelqu'un de très optimiste. Et en discutant avec ma collègue et amie, Stéphanie Lachancher, je pense qu'on partage certains aspects de ses commentaires, mais nous sommes les trois, avec tout un tas d'autres collègues, confrontés à ce que la presse dénonce, on va dire, ou en tout cas renseigne, concernant la pénurie, les difficultés des structures d'accueil des migrants, des demandeurs de soins des personnes en souffrance et directement liées aux migrations, etc., y compris leurs descendants, comme vous venez d'évoquer. Bon, ma dernière question serait, face à un cadre qui, d'une certaine manière, est présenté de façon chaotique, parce que les structures connaissent ces difficultés, cela, face à l'optimisme de Rosemarie Moreau... Marie-Rose. Pardon, de Marie-Rose, excusez-moi, de Marie-Rose Moreau, et quels sont vos projets?
Alors, est-ce que je suis optimiste? C'est l'impression que j'ai eue. Disons que je... ça fait plus de 30 ans hein, quand même que je m'occupe des migrants et de leurs enfants. Donc, j'ai un certain recul, même si évidemment c'est rien à l'échelle des histoires des migrations. Et je vois quand même un certain nombre, je constate des régressions, je constate des difficultés, je constate des stigmatisations et évidemment, mais effectivement, j'ai un regard en tous les cas plutôt optimiste, et pour deux grandes raisons, je pense. Première raison, c'est que le fait de travailler beaucoup avec des enfants, ici d'ailleurs, hein, différents enfants de réfugiés, de migrants, les mineurs isolés aussi qui arrivent tout seuls, sans papier. Alors moi, ça me fascine, ces enfants, ces aventuriers-là qui arrivent dans nos pays, qui vraiment doivent vaincre des choses absolument incroyables. Bon. C'est ici, vrai que je le vois, l'optimisme. Ici et là-bas, en situation humanitaire où j'ai pu travailler dans les situations de guerre et de catastrophe, eh bien, le fait de travailler beaucoup avec ces enfants et ces adolescents et ces familles, je trouve qu'il y a des compétences, qu'il y a je vous raconte une histoire. L'autre jour, un garçon, un mineur isolé que j'ai vu, parce que après avoir traversé, bon, il venait d'Afghanistan, c'est un garçon qui s'est... qui était réfugié avec sa famille depuis longtemps. Il est né, lui, en Iran. C'est un Afghan né en Iran, dans les camps de réfugiés, traversant toute l'Europe pour arriver ici. Un jour, il arrive ici, près du canal Saint-Martin. Il décide, une fois qu'il est arrivé, qu'il se rend compte de la vie telle qu'elle est ici, très mal accueillie d'ailleurs. Il a une impulsion de se jeter dans l'eau. Vraiment, après avoir traversé des choses incroyables, il dit, mais peut-être je me suis trompée, peut-être que mon idéal était factice. Et c'est comme ça que je le vois, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, il a eu envie de laisser tomber. Et puis, on débute une consultation avec ce garçon, et le garçon, finalement, justement, il se réinscrit dans l'histoire des hommes de sa famille. Il peut parler avec sa mère, parce que c'était un élément qui désorganisait totalement, d'imaginer que sa mère peut-être avait oublié cet enfant qui était parti, qui a mis un an pour traverser l'Europe. Bref, et puis il a repris une envie de faire, et il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, voilà, je me suis rappelée d'une histoire que me racontait ma grand-mère, que je vous raconte à vous parce que vous m'avez donné la main d'une certaine façon. Et il me raconte que voilà, quand vous voyez la vie en couleur éléphant, c'est-à-dire en noir et en gris, prenez l'éléphant, vous le déplacez et vous traversez. J'ai trouvé cette histoire absolue. Ça m'a beaucoup amusée. Mais ce qui m'a amusée, c'était sa capacité, non seulement à retrouver la vie, mais même à se réaffilier en racontant l'histoire de sa grand-mère. Il mettait dans la position de sa grand-mère, mais surtout, il humanisait ce monde qui était si peu humain pour lui. Alors, moi, travailler avec ses enfants, ses adolescents, je trouve qu'il me... Voilà, ça donne un optimisme, parce qu'on sent leur capacité à inventer le nouveau monde, meilleur que celui qu'on leur a transmis, comme disait Winnicott. Et ma deuxième raison d'espérer, si j'ose dire, est de rester optimiste, et c'est dans ma fonction de professeur, de formateur, c'est que moi, je trouve que les demandes en formation
elles augmentent tout le temps, que ce soit l'université, les diplômes universitaires qu'on a, les masters, les séminaires, les conférences. Il y a toujours plein de gens dans tous les milieux qui, malgré les difficultés, il n'y a pas assez de foyers, il n'y a pas assez de consultations, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez d'interprètes, il n'y a pas... par rapport à cette question de la traduction. Et puis, il y a plein de gens partout, tout le temps, qui viennent, qui demandent, qui disent, qui se forment, qui inventent même des nouvelles formations, des nouvelles méthodes pour apprendre sur le plan transculturel. On forme des médiateurs, on forme... Voilà. Et donc, je crois que c'est de ce dynamisme-là, de ceux qui disent non, faut faire autrement, faut faire avec, faut inventer. Et ben, moi, je pense que ça, voilà, non, tant que j'aurai ça, je serai optimiste. Après, je ne dis pas que tout est facile et que parfois l'éléphant, pof, il se remet devant moi. Continuons donc à déplacer l'éléphant. Exactement. Je vous remercie. Merci bien.